pourquoi pas vous commencer ce nouveau flash d'informations en vous présentant une idée, voire même plusieurs idées sorties. Donc pour ce week-end, on va même penser à un membre de la famille qui n'est pas forcément toujours privilégié ni accepté partout, ou aller se promener avec son chien dans le Nord-Pas-de-Calais et sur la baie de Somme. Et bien c'est la question à laquelle répond un livre intitulé « Balade et boule de poils ». 400 visites avec parking, hébergement, restaurant qui acceptent les compagnons à quatre pattes. Impossible donc désormais de se limiter pour découvrir la région au seul prétexte que vous avez un chien. Ce livre coûte 9,90€ et il est disponible dans certaines librairies, à l'office de tourisme ou encore au WAF, un bar situé rue de la Barre à Lille, un café où les clients côtoient des chiens en permanence, des chiens qui sont d'ailleurs parfois à adopter. Alors notre journaliste Céline Huret a rencontré l'une des membres de l'association Nord Découverte qui est à l'origine de ce livre. Je vous propose de l'écouter. Le Nord-Pas-de-Calais est la région la plus riche en musées. Et on a à peu près recensé une trentaine de musées qui acceptent les toutous. Et notamment, par exemple, le magnifique musée de la porcelaine à Dèvres. Ça, on ne le sait pas, mais on peut le visiter avec son toutou. Moi, mon coup de cœur dans le livre, c'est le miroir, c'est le blocos miroir de Lifrenko qui est sur la plage. Et c'est vrai que ce qui est amusant, c'est quand on reste, les animaux se regardent tout autant que nous. Et voilà, enfin, c'est des moments absolument magiques où là, les toutous, les chevaux, les promeneurs se regardent, et sans se voir d'ailleurs, puisque c'est un blocos miroir.